Mesdames et messieurs, une fois encore, bienvenue au cours sur la mobilisation des ressources intérieures en Afrique. Je rappelle que le directeur de ce cours est le professeur Moussouba Adetundi Babatoundé et je suis son assistant. Nous avons vu dans les deux premiers modules, le premier module introductif avait pour objectif de donner une justification pour la mobilisation des ressources nationales en Afrique. Ce module a mis en exergue les moyens importants ou a souligné la nécessité d'augmenter les ressources financières pour prendre en charge le processus de développement et réduire la dépendance vis-à-vis des flux d'aides qui sont plus volatiles. Et a permis également de discuter des implications de la COVID dans la mobilisation des ressources en Afrique. Quant au second module, il a mis l'accent sur l'évidence des différentes sources traditionnelles de mobilisation de ressources intérieures pour le développement durable, présenter les nouvelles sources de ressources intérieures inclusives, et mis également en évidence le potentiel de ressources intérieures des sources identifiées telles que les recettes fiscales, les revenus miniers, les transferts de fonds, etc. Lors de cette troisième semaine consacrée au module 3, il sera essentiellement axé sur la contrainte ou la présentation des contraintes qui pèsent sur la mobilisation des ressources intérieures dans les différents pays africains. Alors, en introduction, notons que le défi auquel est confrontée la mobilisation des ressources intérieures en Afrique est particulier dans les pays africains à faible revenu. Et l'évidence est que les ressources intérieures sont rares, alors que la pauvreté est plus profonde et généralisée. En conséquence, l'augmentation de la gestion des risques de catastrophe a été inscrite comme une option difficile par rapport à la mobilisation des ressources par le biais de l'aide publique au développement et de l'investissement direct étranger. Toutefois, une telle position ne tient pas compte des inconvénients et des compromis associés aux ressources extérieures. En outre, de nombreux pays à faible revenu connaissent une érosion des ressources intérieures en raison d'autres politiques. À titre d'exemple, la réduction des droits de douane, la réduction des recettes de l'impôt sur les sociétés, la fuite des capitaux qui doit être remise en cause car elle a parfois très sérieusement été sapée sapé la mobilisation des ressources intérieures. De même, si la politique macroéconomique est fortement orientée vers la stabilité des prix et le ciblage de l'inflation, elle peut conduire à des taux d'intérêt élevés qui limitent les emprunts, les investissements et la croissance. Alors, quelles sont les différentes contraintes? Celles-ci peuvent être d'abord classées en quatre grandes catégories, à savoir les contraintes structurelles, les contraintes économiques, les contraintes politiques et les contraintes sociales. Voyons en quoi consistent les contraintes structurelles. Parmi les contraintes structurelles, nous notons que une administration inefficace et la fraude et l'évasion fiscale constituent des contraintes à la mobilisation des ressources intérieures. Entre autres contraintes, nous notons l'inadéquation du marché des capitaux, la libéralisation du commerce et la mobilisation des ressources intérieures, le rapatriement du produit des investissements directs étrangers, le fardeau de la dette de l'Afrique, les contraintes pesant sur les fonds de pension, la limitation des fonds souverains africains, l'inclusion financière qui est insuffisante, les erreurs de prix dans le commerce, la fuite des cerveaux et enfin les grandes contraintes structurelles du secteur informel. En ce qui concerne les contraintes économiques,
Nous pouvons noter l'écart du taux d'intérêt sur l'épargne et la forme prédominante de l'épargne, les contraintes liées aux envois de fonds, les contraintes liées aux flux financiers illicites qui constituent des contraintes, la fuite des capitaux, la compétitivité et les contraintes de taux de change, les politiques macroéconomiques contracycliques et le taux élevé d'allègement et d'exonération fiscale, et enfin, la concentration des banques. S'agissant des contraintes politiques, nous notons entre autres la corruption, l'intégration régionale, la gouvernance et la lutte contre le civisme et l'insurrection. S'agissant des contraintes sociales, nous pouvons noter le contrat social qui constitue une mauvaise exécution de l'obligation fiscale, l'aide sociale et le syndrome de dépendance et les systèmes de valeurs en déclin. Alors, à titre de recommandation et option de politique en vue d'une forte mobilité de lever toutes ces contraintes, nous pouvons noter qu'il est indispensable dans le souci de parvenir à une forte mobilisation des ressources intérieures, une forte implication de la communauté, une bonne gouvernance, une bonne transparence et équité du système et information sur l'objectif de l'utilisation de ces fonds. Comme autre recommandation, nous notons la planification, que la planification est fondamentale pour diversifier les secteurs productifs en vue de financer le développement, développer la capacité administrative à ouvrir des options politiques pour des politiques fiscales plus progressives à moyen terme. Il est nécessaire de simplifier, rationaliser les systèmes fiscaux et les rendre plus transparents. Il est nécessaire que les pays maintiennent des dispositions macroéconomiques saines pour la protection et la croissance de l'accès au marché, que les banques d'investissement renforcent leur capacité pour éduquer les clients sur les différentes formes sur les aspects liés à l'éducation financière, notamment. Les pays africains doivent également éviter de financer leur développement par l'endettement en raison des taux d'intérêt élevés sur les prêts qui les rendent la plupart du temps impayables et donner la priorité à la gestion des risques de catastrophe. Les pays africains doivent également diversifier leurs sources de revenus pour éviter la dépendance à l'égard des aides extérieures. Ils doivent renforcer la gestion des fonds de pension, dans la mesure où le renforcement des capacités des fonds de pension permettra aux administrateurs et aux gestionnaires d'exercer leurs fonctions de manière plus adéquate. Il est aussi impératif que les pays africains subsahariens de l'Afrique, les pays d'Afrique subsaharienne renforcent leur contrat fiscal avec leurs citoyens en mettant en place des systèmes de mobilisation des recettes intérieures efficaces, transparentes et responsables, tout en améliorant leur système de prétention de services publics au profit de tous citoyens. Et mesdames et messieurs, voilà essentiellement ce que nous pouvons noter dans le cadre de ce troisième module, consacré essentiellement aux contraintes liées à la mobilisation des ressources intérieures. Nous vous remercions et à nous revoir la semaine prochaine pour le quatrième module. À très bientôt.